L'inflammation du verbe vivre de Wajdi Mouawad. Ce texte de Wajdi Mouawad a beaucoup de résonance au TNP. Le sujet, il s'agit de Philoctète. Un metteur en scène doit monter Philoctète. Philoctète est une pièce que Christian Sciarretti a mis en scène il n'y a pas si longtemps et ça a été le dernier rôle pour Laurent Terzieff. Donc ce Philoctète de Sophocle, au moment où il s'apprête à le répéter, le poète qui traduit la pièce pour la jouer en français meurt. À ce moment-là, le metteur en scène décide de suspendre et de dire « Non, je n'ai plus envie de monter Philoctète ». Et là, l'équipe artistique qui est autour du metteur en scène lui dit « Mais c'est impossible. C'est impossible parce que le spectacle est déjà vendu ailleurs, et les affiches sont tirées, tu dois le faire. » Ne sachant comment être fidèle à son ami qui est mort, comment monter cette pièce, il se dit « Bon, ben, je pars en Grèce ». Et c'est là que commence l'inflammation du verbe « vivre ». Wajdi monte dans un avion, au sens propre. Nous allons monter dans l'avion avec lui et nous allons arriver dans la Grèce d'aujourd'hui. Cette Grèce où il est sur les traces de l'Antique, les traces de Philoctète, et en même temps cette catastrophe dans laquelle la Grèce est empêtrée, cette catastrophe européenne. Cet endroit qui est le berceau de la démocratie est justement l'endroit qui en ce moment va le plus mal et que nous n'arrivons pas vraiment à aider. Toute cette conscience-là, ce metteur en scène qui cherche à monter Philoctète, tout ça, il le découvre, il le vit, et nous allons entrer, il va entrer en dialogue avec tout ce qui fait la Grèce aujourd'hui. Ces gens qui n'ont plus de travail, ces jeunes qui pour certains se suicident, qui ne voient pas d'avenir, ces femmes qui ne savent plus comment faire pour élever toute la famille. Le metteur en scène dialogue avec eux et nous entrons dans cette composition de la Grèce avec le souvenir d'un grand moment de poésie et de démocratie. Alors j'ai dit de et par Wajdi Mouawad. Et là, il y a une grande inventivité, encore une fois, de ce metteur en scène et de cet auteur. Il sera seul en scène avec un film. Et c'est dans ce film qu'on retrouvera tous les protagonistes de la pièce. Et seul en scène, il dialogue avec les protagonistes. Et il y a un aller-retour entre le théâtre et les cinémas vraiment magique. Rien que pour ça, venez voir, c'est une réussite.